C'est que c'est même vous qui nous apportez les points. Vous, les enfants de Bastos, là, c'est vous qui nous apportez les points. Je dis que les enfants rentrent de l'école à 13. L'homme, c'est tout sous enquête. Je ne connais pas leur histoire que tu dis là. Ouais, tu peux envoyer ma note ici. Le seul truc que nous qui a chahé sur la cam, c'est les embouteillages que tu entends que les embouteillages ici. L'histoire qu'on bloque le retard. C'est l'homme qui est cher. C'est lui qui est cher. Ce sont les enfants qui rentrent de l'école à 13. Demi ne veut plus sauter le riz. Quand les enfants sont à la maison, c'est comme ça que les enfants mangent beaucoup. Ouais, ouais, quand il y a ça, comme même bas, jusqu'au bas. Je dis que dès que je finis ma bière. Il y a les voisins comme ça, comme ça, peut venir bas, ça dans un bar du quartier. On est je comprends. Merci. Bonjour à tous. Même Loulou, j'ai venu chez. On va rentrer au village. On commence l'émission ou on ne commence pas? Allez-y. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat, le temps du débat, comme dans les bars sur Tara Plus. Alors, la canne est au Cameroun et elle est sucrée, mais qu'est-ce qui se passe à côté de la canne, c'est-à-dire en dehors des stades? On en parle dans cette édition avec deux invités. À tout de suite. Je commence avec vous, Chanel Beyeneux. Vous avez dit que vous n'êtes pas marié. Non, pas du tout. Moi, je suis là. Je cherche encore, non? Mais pourquoi? Il y a les Marocaines. Il y a les Ghanéens qui ont plié. Les Ghanéens ont plié. Bah, les Ghanéens sont venus avec tous leurs les matelas, tout. Donc, tu penses qu'ils sortent. Vois les gens de Bastos, que peut-être que vous voyez là-bas. C'est toi qui m'as envoyé à Bastos. Nous, ici, là, en Gousso, tu peux voir une Marocaine. Peut-être que c'est le moment pour vous de chercher l'amour de votre vie, parce que la CAN, c'est également de belles opportunités. Et vous avez dit que vous êtes chercheur d'emploi. J'espère que vous allez trouver. Non, je cherche encore quand même, mais... On va même chercher les gars là, ou puisqu'on ne part pas à vos stades. Où est l'argent? Il faut partir au stade. Alors, Chanice Meillon. Oui. Qui? Ça s'appelle Chanice. Chanel Chanice. Vous avez un truc en particulier, c'est qu'elle également, elle cherche. Ouais, ça dit qu'on peut aller chercher, ça va passer demain. Je pensais qu'il restait à Bastos. C'est... Donc, tu en sais un gousseau comme moi. Ça te rate même. Ok. Alors... La CAN est dans notre pays. Comment ça va? Ça ne m'intéresse même pas. Mon problème, c'est que depuis que votre CAN arrive au pays, et arrive cela, la fait d'avoir que les enfants rentrent à 13 là, moi, je ne suis même pas par rapport. Parce qu'un enfant est à la maison, il mange trop. Et quand il mange trop, il faut préparer à tout moment. Et les trucs sont tellement chers au marché. La CAN vient dans un pays pour faire évoluer le pays ou bien pour faire rentrer le pays en arrière. Les prix ont augmenté. L'État doit revoir ça. La tomate était chère, on a baissé le prix. Ce qui est même marrant, c'est que quand la CAN va finir, ils ne vont pas baisser les prix. Justement, parlons... Comment? Quand c'est en haut, on laisse en haut, non? Voilà, parlons des coûts de la vie, justement. Est-ce que vous avez l'impression, à votre niveau, que cette CAN a permis à ce que les prix, les prix des denrées de première nécessité augmentent, par exemple? Non. C'est sorcier. Parce que tu vois d'abord que la tomate était chère avant, c'était il y a 100 francs le fruit, non? 125 même. Quand moi, je voulais souvent faire l'avocat qui est bas du roc, là, qui veut faire l'avocat, je paye l'avocat à 200, je paye un fruit de tomate à 125. Maintenant, ça a chuté. Le fruit de tomate, maintenant, c'est 25, 50. Tu vois que tu fais la sorcellerie. Le pain, c'est 125. En plus, moi, je n'ai même pas l'avoir les mêmes points que la nation. Parce que mon plat de chop là-bas, c'est 500. Tu as dit que tu étais célibataire, non? Je bois ma bière pour 650. Tu as dit que tu étais célibataire, non? Qui fait le marché chez toi? Le marché pour faire quoi? Qui fait le marché chez toi? Tu rassures combien à ta femme? Comme tu dis que le fruit de tomate est devenu à 50. Je peux marcher, je paye mon demi-kilo de riz, j'achète ma tomate, mon huile, je fabrique ça. Tu vis dans le Cameroun, si là, ou bien la CAN ne te concerne pas. C'est vrai que c'est pas le même quartier. Nous, on semble ne pas être d'accord. Qu'est-ce qui a vraiment changé? On parle de la CAN. Je dis que... Qu'est-ce qui a vraiment changé au niveau du coût de la vie? Je dis que tout est devenu cher au marché. Non seulement c'est devenu cher, la fait qu'ils ont dit que les enfants doivent rentrer de l'école à 13 là. Moi, je ne suis pas par rapport. Parce que quand ils rentrent à 13, on doit préparer doublement. Et là, et mon frère, c'est l'argent. Toi-même, quand tu étais à l'école là, à 13 tu pourras... Leur histoire qu'ils disent aussi là que les fonctionnaires doivent arrêter le travail à 14 parce qu'ils doivent aller au stade. On a l'argent. Est-ce qu'on ne part pas au stade? Ce n'est pas parce que si on ne part pas au stade, ce n'est pas question de temps. C'est parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter les billets. Non. Même pour se vacciner pour le coronavirus, ça, on n'a pas. Donc, je dis que des... Il va aller planquer. Il va te choquer deux billets. Il va te donner deux billets, tu vois, pour que tu ailles voir le match. L'histoire même qui chasse les gens, là, c'est même pas l'histoire des billets. Permettez, au stade, durant cette compétition, on n'a pas forcément besoin d'être vacciné. Un test PCR suffit.
largement pour aller à un ça? Test négatif. C'est l'information qu'il convient. Officielle. Et parlons justement. Moi, on m'a dit qu'il faut être vacciné pour aller au Canada. Moi, on m'a dit qu'il faut être vacciné. Donc, c'est pas que la chose qu'il disait qu'il allait au Canada à 14 ans, je ne suis pas par rapport à ça. Je vous donne donc l'information. Officielle. Oui, l'information. C'est qu'elle va voir comment il parle pour le match de lundi. Ça ne me concerne même pas de rentrer au village. Il suffit d'avoir un test négatif. Alors, vous parlez des coûts de la vie chère. Il y a une entreprise qui est restée moins chère et qui vous permet de payer chaque mois une somme de 49 900 et d'avoir une maison à partir que ma maison préfabriquée. Justement, il s'agit de SCI. On va là-bas, voilà, la maison n'arrive pas. On regarde. SCI Immobilier, le service spécialisé dans la vente de terrain et les procédures foncières, lance son nouveau produit, les maisons préfabriquées. C'est une technique innovante de construction sans briques de ciment qui consiste en un assemblage de matériaux. Nos maisons préfabriquées sont blindées, économiques, solides, ne chauffent pas, contient une isolation thermique et phonique, payable en plusieurs mensualités, résistante au feu et à l'humidité. Idéal pour la construction des duplex, écoles, hôpitaux, kiosques, centres commerciaux, etc. Fini les tracasseries liées à la construction, les coûts sont dorénavant maîtrisés. Nous construisons partout au Cameroun. Sans tarder, commandez votre maison et elle vous sera livrée en moins de 2 mois, prête à être habitée. Contactez-nous au 659 38 38 59. 650 101 101. Alors, de retour en studio, merci pour votre présence, je le dis encore. Alors, on revient sur le débat. Il y a quand même une montée de pornographie depuis le début de cette canne avec quelques cas isolés, des personnes qui ont affiché leur nudité sur la toile. C'est pour ceux qui veulent se faire voir. Est-ce que vous pensez que ce phénomène ce phénomène va perdurer ou alors c'est juste pour encourager les lions? Quand tu parles, moi-même, tu ne connais pas les histoires du blé de ciel. Les histoires les mieux que tu entends, c'est depuis. Donc, tu n'es pas au courant que dans ton pays, pour attirer l'attention, donc pour devenir star dans ton pays, une star reconnue mondiale, il faut passer par les nudes. La canne, c'est juste un prétexte maintenant pour être connu à l'échelle internationale. C'est seulement pour les petits soins en joie. C'est pour ça que tu vois l'autre, là, le maillot. Ce n'est pas question de joie. Elles veulent devenir star. Parce qu'au Cameroun, pour être influenceuse, il faut commencer par montrer tes fesses au public. Si toi-même tu veux devenir star là, ce n'est même pas compliqué. Va au stade là. Si tu as l'argent pour acheter au billet, va au stade, tu montres tes choses comme ça, tu vas devenir star. Non, s'il vous plaît. Tu vas devenir star. Recentrons le sujet. Il y a eu des cas isolés de quelques Camerounais et Camerounaises qui ont, certains ont montré leur partie intime. Ouais, que, avis, devenir star. C'est justement des choses qu'on devrait montrer sur la toile en pleine compétition, alors qu'on a espoir que le Cameroun va remporter son 6e trophée. Ouais. La coupe du Cameroun, c'est pour le Cameroun. Parce que moi particulièrement, moi je pense que ces filles-là, elles veulent se faire connaître. Elles cherchent juste un moyen pour se faire connaître. Depuis qu'elle te dit qu'au Cameroun, pour devenir star, il faut passer par les nudes, tu ne comprends pas ce que je te dis. Bon, mon frère. Donc, les gens qui font que leur nu... Ouais, laisse-moi même finir de parler, non. Laisse-moi finir de parler. Tu dis maintenant là que tu vas faire ça pour ouais, ça. Ouais, Seigneur Jésus. Je ne suis pas sûr que tu vas bouder. Tu as même invité le gars ici, là. Je ne suis pas sûr que tu vas bouder. Tu as invité le gars ici. Tous les moyens sont bons. Laisse-moi finir de parler. Les fesses sont pour chercher l'argent. Je disais donc que... Les gens ont commencé. Il y a d'autres façons. Et Azambe. C'est facile ici au pays. Par exemple. Ouais, Seigneur. Et Azambe. D'une autre façon. Non, c'est pas facile. Je disais donc qu'au Cameroun, pour devenir influenceuse, il faut passer par ça, l'exposition des fesses et des seins dehors. Donc ces filles qui le font pendant la canne, c'est juste parce qu'elles veulent se faire voir, se faire connaître. C'est comme ça le pays. Elles sont les femmes, les choses. Avant la canne même. La dernière vidéo qui est même sortie l'autre jour, là, moi, on a que depuis là, l'autre n'est pas encore sortie. Parce qu'il y a un rythme auquel les vidéos là sortent. Toi, tu ressembles même d'abord à quelqu'un qui publie souvent le genre de vidéos là sur les réseaux sociaux. Il publie par moi, il voit. Il fait quoi aller publier? Il voit. Et j'ai des réseaux où à chaque fois qu'une vidéo comme ça sort au pays, non. On m'envoie ça sur mon téléphone. Moi, je pense que les gens qui font ça, qu'ils manquent leur nuit, on doit commencer à les mettre en prison. Ou bien on crée un règlement contre ces gens-là. C'est quoi? C'est quoi? Mais est-ce pas salir un pays comme ça, chaque fois les nudités sont sorties au Cameroun? C'est quoi? Si un étranger met sa bouche, ça, il va se bouler. Ah. Ça reste ici au pays, non? Mais vous, nous chopez d'abord pourquoi? Alors, ça, c'est. Moi, je ne peux même pas d'abord. Donc, je suis. Je suis pour.
On n'arrive même pas à circuler normalement. Les embouteillages, chaque jour, quand les lions jouent, alors on bat les routes aux gens. Nous, quoi, dedans? Mon temps, c'est parce qu'il y a la canne dans le pays qu'on ne peut plus respirer. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Non, il faut être patriote, il faut encourager les lions. Le Rwanda, et justement, c'est quand même terrible. Par de petits sacrifices. Alors, justement, les huitièmes de finale, le Cameroun affronte l'équipe du Comore demain. Je serai allé à mon village. Non. Même là-bas, il y a la télé, non. Il n'y a pas la télé. Quand tu vois quand tu as un peu poids pour là, il sent que ton village, c'est même peut-être que même Douala, ou bien c'est comme ça. Alors tu ressens pas au fil du village que les villages. S'il vous plaît, le Cameroun affronte les Comores demain lorsqu'il sera 20h au stade Olembe. Qu'est-ce que la victoire des Lions va apporter à notre pays? Est-ce que ça va permettre qu'après cette canne, on baisse les prix? Parce que la vie est venue chez moi, ce n'est que ça mon problème. Moi, je n'ai pas le problème qui gagne ou qui ne gagne. Ce n'est pas mon problème. Apporte, mon problème est de savoir que est-ce que leur victoire va faire en sorte que le coût de la vie diminue un peu. C'est trop. Même manger à la maison, c'est tout un problème. Non, c'est difficile. On n'arrive pas à vivre. Le gouvernement doit faire quelque chose. Donc nous, on souffre. Nous, le bas peuple, on souffre. Ce qui va t'aider, non. On souffre. Il faut que tu couvres le travail, vrai. Parce que. Toi, tu travailles. Moi, il travaille. Ok, il travaille, non. Tu fais quoi? Tu as ton ticket pour aller au stade. Il va les nuits sur mon téléphone. On libère les vrais fonctionnaires à 14h pour aller au travail. Tu as le ticket. Tu as le ticket pour aller au stade. Moi, il y a un flop de ticket. Si tu veux, te donne un. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je veux prendre un pronostic parce que les Camerounais nous regardent et on va voir qui de vous a le meilleur pronostic. Cameroun, comment demain, qui remporte? Ça ne me regarde pas. Je t'ai dit que mon problème, c'est le prix qu'on diminue les prix des qu'est-ce articles augmenté, sur le marché. Qu'est-ce qui a augmenté? Lui, il a augmenté. On n'arrive plus à manger les fruits de plantain. L'œuf a augmenté. On n'arrive plus à manger les omelettes. Tu veux que je te cite? On ne peut pas marcher. Alors, donc, moi, je vais aider ma petite soeur, tu vois, non? On parle là, tu prends l'huile et les à la maison comme ça. Non. Tu vois comment il me cherche, non? Qu'est-ce qu'il me parle l'huile et les tu vois comment tu me cherches, non? Ou bien. Cameroun, comment? Vous avez un pronostic? Ah, si t'as même 4-0, on voit le problème. Mais tu sais que les gars là ne peuvent pas blaguer, non? Parce que. C'est notre ballon. C'est notre pelouse, dont le trophée là, non, ce sera notre trophée. Ça va rester chez nous. Vous allez vous casser même pour rien. Voilà, ça veut dire que vous supportez. Elle suppose, tu es quand même l'engravé là, mais l'engravé est terrible. Je ne peux que supporter. Depuis qu'elle est là, me voit, ne peut pas me dire que gars. Je ne peux que supporter mon pays. Alors, pronostic, Cameroun, comment? Gars, je vois, c'est vrai que les gars là, les petits font la dérange, surtout le type de Zambangui, ça là. Non, Cameroun, comment? Mais je vois quand même un 2-1. Le Cameroun va passer, oui. Le Cameroun passe en quart de finale. Le Cameroun a de fortes chances de rencontrer. Je veux dire que la coupe là, c'est pour nous. Oui, soit la coupe. C'est pour ça qu'on doit baisser le coût de la vie. Parce qu'on va remporter, ce sont les millions qui vont entrer au pays. Donc, le ministre du Commerce doit dire. Il doit revoir les prix sur le marché. On souffre. On souffre à cause de la canne. Le Cameroun passe, le Cameroun rencontre en quart de finale. Soit la Guinée, soit la Gambie. Est-ce que pour vous, le Cameroun est déjà au moins en demi-finale? Je veux dire que la Guinée est très joueuse, mon frère. Quand on voit la Guinée, là, les petits peuples sont engagés. Et ils courent. Les petits peuples courent. On a Boubacar Vincent. Voilà. Heureusement que moi, ce qui me fait c'est plaisir aujourd'hui, père. Là, c'est qu'on c'est a, notre frère. On a Coco, on c'est a notre Aboubacar, soeur. On va lui suivre. On a Choupo-Moting. Donc, alors, merci. Le Cameroun affronte l'équipe du comment demain au stade de Olembe, allez tous au stade, il suffit d'avoir. Je n'ai pas besoin d'aller au stade. Il y a une influenceuse qui se charge de me donner toutes les réponses. Alors, et pour ceux. Moi, je n'ai pas besoin d'aller au stade. Je n'ai pas l'argent. Et pour ceux qui. Non, pas être invité, non. Permettez, on est en train de sortir. Toi et moi, c'est quand même. L'émission est terminée. Ah bon. Et pour ceux qui ne veulent pas aller au stade, il y a les fan zones. Vous pouvez aller justement regarder. Allez, on la chauffe alors. Hein. Je dis ça, les fan zones, là, mon frère. C'est la guerre. Vous pouvez aller regarder le match dans une fan zone. C'était tout pour nous dans cette édition. N'oubliez pas de vous abonner à toutes nos plateformes digitales. C'est important. De télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store. C'est ce que vous avez fait. Naturellement. Merci, merci vraiment. Alors, à la prochaine. À la prochaine édition.